Bien, chat, regardons ensemble le trailer de Robin. Et après, on regardera, parce que le truc, il est sorti il y a des jours, je n'ai toujours pas regardé. Et faudrait qu'on regarde le trailer du concert. Concert qui était incroyable. Peut-être pas React sur les 2 heures de concert, mais au moins sur le trailer. Alors, Robin. では、インタビューを始めます。さあ、カモロビンシさんはお母様の影響で音楽の道に進んだと言っていましたね。あの災難が起きたとき。また始まったさ。おーの、おーの。大丈夫よ。ほら見て。小鳥さんだ。本当だ、小鳥だ。もっとロビンさんの話が聞きたい。先生はロビンさんのこと知ってる？これは内緒なのだけど、この小鳥はロビンのお友達なの。だから何でも知ってるわ。あの災難が起きた時、耳に響く轟音以外ロビンには何も聞こえなかった。でも彼女は知っていた、母親が歌っていることを。その唇は動いていて、その胸は起伏していたから、音のない願いが聞こえた。ロビンはいつかもっと大きなステージに立つ。ロビンの歌がみんなに届いて、みんながロビンと一緒に歌うんだ。それを言うなら私たちとでしょ。うん、僕たちと。ça c'est le boss 彼女は歌声で願いを届けたかった。de la 2.2もっと多くの願いを紡ぎたかった。でも美しい余韻の後にはかすかな雑音もあった。いろんな声に包まれる彼女、行き交う視線に追われる彼女。Alors elle juste dit, bon allez, par là-bas, et après mort. Les gosses, ils ont juste entendu sa voix, sa chanson. Wait. ありがとう、ロビンさん。僕はお医者さんになりたいな。これからも歌いたい。きっともうすぐ戦争も終わるよ。兄様、私たちの願いは少しずつ叶っているわ。以上でインタビューを終わります。ロビンさんは現在、ピノコニーに向かっているそうです。では皆様、また宴の星でお会いしましょう。Ils auraient pu mettre les sous-titres pour cette partie-là. J'ai pas tout compris, puisque au final, est-ce que... Ou alors c'était juste pour faire un film? Est-ce que c'était... Les enfants, c'est... font partie de la... de la... la vraie vie? Ou c'est... Ce qu'on voyait ici, c'était une sorte de film pour dire « Ouais, Robin a... » à sauver les enfants, et voilà, c'est pour ça que du coup les enfants sont devenus chanteurs, enfin font des cours de chant et ils passent à la télé. C'est à part. Pourquoi ils montrent un semblant foyer de l'âtre? Non mais dès que vous voyez des orphelins, c'est le foyer de l'âtre maintenant, au secours.
Chat. Oh mon dieu, Genshin n'a pas tout créé. Par contre, à plusieurs moments, ils n'arrêtent pas de montrer. Enfin, plusieurs moments. Il y a un moment où on voit cette ce truc. Il y a ça. Comment ça se fait? Sachant que s'il y en a qui ont vu ça sur le Light Cone, il y avait une sorte de bestiole qui ressemblait à une des créations de ce monstre. Donc ça a totalement un lien avec Robin et Sunday. Et quelque chose qu'il y a eu dans leur enfance. Ça les a suivis toute leur vie. Donc je me demande bien ce que ça va être au final, cette chose. Un terrible secret. Peut-être bien. Par contre, ce qu'ils aiment bien faire sur Honkai Star Rail, c'est vraiment le petit truc sympa. Mais dans les trailers, peut-être pas pour tous les persos, mais pour de plus en plus de persos, ils les montrent dans d'autres tenues. Ce que je trouve juste trop bien. J'aime bien voir les fans de Robin, ils doivent être en mode « Oh là là, wow, on peut imaginer le personnage dans plein de tenues, c'est trop bien », dans un média officiel de HoYoverse. Alors que, par exemple, tu vois, là, alors que dans Genshin, bon bah, le perso, tu le vois avec sa tenue H24, enfin, c'est toujours la même tenue. Sauf si jamais il y a un skin. Yeah. À mon avis, elle voulait créer un monde sans problème, du coup, elle a créé Pinakoni dans les rêves à l'aide de cette machine, mais ça a mal tourné, c'est mon hypothèse. En vrai, ça tient la route comme hypothèse. Après, je suis pas sûr que ce soit eux qui aient créé. Bah non, c'est l'horloger qui a créé Pinakoni, le monde des rêves. Ou alors, ils ont changé le monde des rêves pour que ce soit mieux que la version de l'horloger. Peut-être, hein. Sur quel cône on voit la bestiole? Toc. Alors attendez. Attendez, attendez. Est-ce que je peux retrouver. Où est-ce que je peux le trouver, ce truc? Hop. D'ailleurs, je suis toujours dans le flou. Wiki. Honkai Star Rail. Toc. Alors, ouais. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Est-ce qu'on peut avoir un zoom? Non, je peux aller me faire voir. Full size. Alors, vous allez peut-être pas voir en entier, mais c'est la bestiole là. La peluche là, c'est une des créations du mob Hebdo. C'est intéressant. C'est le petit easter egg. Autant, bon, celui dans le trailer, il est extrêmement évident. Mais ça l'est peut-être pas tant que ça. Donc, j'apprécie. J'apprécie ce genre de choses. Attendez, je relance le combat. Voilà. Et on regarde le trailer du concert. On est d'humeur musique aujourd'hui. Et là, ah, Kafka! Kafka! Oh, chiche! Voyez ce que je disais? Oh, j'ai vu cette scène 15 milliards de fois! Ouais. Oh man! Quel homme! Ah, quel homme! Avant tu goûtes! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la Kafka, elle est si belle.
mes deux femmes. Ah là 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 là. Franchement, mettez des skins. Le skin d'aventurine, ouais. Le skin de Kafka, ouais. Alors les autres. Les autres, je dois vous avouer qu'on s'en fichait un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Ils ont mis le concert à, peut-être dans les en direct. Ouais. Alors, pour le coup, peut-être que le concert, je peux le prendre sur le live anglais. Ce sera peut-être Découvrez mieux. Découvrez et réservez des expériences de voyage. Non, on ne réserve pas de voyage. Nous, on reste chez nous. Oh, c'est quoi ça? Oh, les pubs. Mais juste vite fait. Pour ceux qui n'ont pas regardé le concert, on va juste passer très rapidement sur des moments. Mais honnêtement, ils se sont donnés. En vrai, quand ils avaient commencé avec la musique de Kafka, juste dinguerie. Et moi, sans doute que... c'était lequel le mieux? Celui que j'avais préféré. Bon, là, il y a des poubelles qui se battent. Ça, c'était marrant. Bon, forcément, il y avait ça. Ça, c'était banger. Toute la partie sur le loup au fou. Bon, lui, il se faisait un petit peu chier. Il était en stand-by. Mais ils avaient fait un taf incroyable. Genre, rien que la partie là, avec le... la petite chorégraphie de combat. Pour le thème de Jing Liu. Ouais, Jing Liu, let's go! Liu, le Daneng. Bon, il y avait les dragons. Les dragons, je les ai trouvés trop mignons. Et toute cette partie-là. Le gars avec son cerceau, là. Lui, c'est le GOAT. Oh, mon Dieu! Et il faut pas se rater, mais bon, j'imagine que le gars, il s'y connaît, quoi. Yes, mais... elle est où la musique avec la musique de Daneng? Ah, elle est là. Ils sont amusés à mettre des jets doux partout et le moment où ils commencent à parler, hop, allez, ça se coupe en deux. Oh. Franchement, si vous n'avez pas regardé le concert, allez-y. Allez-y, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas regretter. Vous mettez ça en fond,